Evel Davos, c'est Rouvezier et Tanzoreille. Eh bien, nous allons continuer l'immersion là, au marché aux poissons à l'Oricis. Là, nous allons échanger des mots avec un patron pêcheur qui a expliqué nous qui gens ça passé jeudi jour. Et est-ce que ça pas trouvé dans la main là? Déjà, on va essayer de présenter. Bien, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est qui nous a? Geoffrey. C'est mon Guadeloupe? Oui, mon Guadeloupe. Oui. Alors, où dans la pêche depuis combien de temps? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Alors, qui gens ça a passé jeudi jour? Bon, ça a toujours même bien, ça va changer. La personne joue bon, joue pas bon, joue. Chaque jour, c'est un bien différent. Non, mais tu as dit que avait ça orgasme là, habité la ville en gens plus bandé, ni moins de poisson, c'est vrai ou pas? Non, bon, ça a fait travailler, il n'y a pas habité à moins de poisson, c'est un bien, bon, ça a fait, bon, la nature a changé, sont d'autres générations habitées la ville, ça va gêner, moi-même, pas gêner moi. Et après, on ne peut pas faire rien contre ça, c'est la nature. Et après, poisson, c'est marée, la ligne, et voilà. Et t'as l'homme, là, il a fait ni poisson, et pas ni poisson. D'accord. Alors, là, on partit en mer. On va partir pour 2-3 jours ou bien on va partir pour quelques heures? On va partir pour 24 heures. 24 heures? Oui, 25 heures. Si on va partir au soir, on va rentrer matin. Pas de rentrer, mais à peu près 24 heures. Et secteur de pêcheurs, c'est Désirade, Marie Galante? Non, tout à la Guadeloupe. On va être utile là, Marie Galante, Les Saintes, tout partout. Désirade, on va être utile là, non, tout à la Guadeloupe. Ça dépend. Et t'as l'an, mais là, et ça nous va faire. Comme c'est filet à boisson, nous va faire. Ça dépend. Ça, bon, on est là, c'est un quartier VIP. Et nous sommes tous habités là. Bon, on ne va pas parler des quartiers là trop, hein, parce que là, il y a des gens qui sont habitants. Et nous sommes très habitants en quartier là, mais quoi on veut faire? Tout partout, ni problème à eux. Bon, ça va, le quartier là, ça peut aller quand même. Ça n'est pas si grave que ça. On est venu acheter poisson là, il va venir en vacances là tout. Mais depuis qu'on a tout crasé, même avant là tout, pas ni tout ça, d'ailleurs, vacances, pas ni d'ailleurs, dit samedi, pas ni pour le monde là, pas ni pour vacances là. Avant, on t'en a pas pour moi, mais ça a changé, c'est une autre génération à mon aussi. A pas même bien là. Donc c'est mon a mangé qui congelé, alors c'est ça ouais, en train de dire. Mon a acheté poisson congelé, après on va tout bien congelé, donc peut-être mon a même aussi à Goukagne, il revient en vacances, c'est pas une mieux dépenser top là. Hein. Midao, eh ben, nous allons continuer avec camarades pêcheurs nous. Nous avons changé des petits mots, mais nous allons y ajouter quand même des petits mots et quatre paroles. Alors, nous avons parlé de la relève. Alors, qu'en y a dit par rapport à ça? Donc, on leur relève même, pas même ni côté pour les petits bougas faire formation en Guadeloupe. Même si un petit bouga 20 ans, 18 ans, veut faire la pêche, pas ni formation, pas ni conformation. Il va voir soit en Martinique, soit en France, soit à Saint-Martin. Donc, un petit jeune qui n'a pas de lancé la pêche, je vois des gars Martinique, des gars Saint-Martin pour formation. Et je ne veux pas pour un professionnel, je veux pour un bébé, je veux arrêter de voir mon abo là, je veux parler de amon. Donc, il y a un grand problème en Guadeloupe, pas de formation pour un jeune petit pêcheur. En train de dire que nous n'avons pas de centre de formation pour la jeunesse, pour la relève. Jamais, pas ni ça, pour l'instant, pas ni ça. Ça a fait depuis pour 2000, ça a arrêté en 2020. Mais bien en 2020, non, 2023, pas de conformation, centre de formation pour les jeunes. Bon, même un type qui a la pêche, il vous aime pas que si tout bien à jouer, pas de formation. Et il va dire non, il faut qu'il bidène. Mais pas de concentre la formation en Guadeloupe. Mais ce sont des associations quand même qui ont représenté ça. Des associations, ça, c'est des fonctionnaires qui dans ça. Bah, des associations, c'est un grand boîte de fonctionnaires. Mais c'est un truc là, il va avoir marin pêcheur, il va décider de bidener, il va avoir les marins pêcheurs, il y a d'autres mondes ça. Alors, qui j'en vois ça? Si vous tenez un conseil à bas les encadrants, quand vous avez dit pour la relève? Conseil aux jeunes, il y a un jeune petit bout, pas en l'eau, mais il y a une dizaine, 20 ans dans chaque commune qui vous a fait la pêche, il n'y a pas de formation. Et même si vous menez la pêche, il y aura bon amende, il y aura bon amende à 2000, 3000 euros pour un jeune. Donc, essayez de penser aux jeunes aussi. Ben, nous, c'est les dernières générations à pêcher. C'est moi, j'ai 50 ans déjà passé. Après, moi, il n'y a pas d'autres jeunes pêcheurs. Ici, ça n'y a pas de petit jeune qui a fait la pêche. Plus jeune, là, j'ai 50 ans déjà. Donc, il faut mettre des centres de formation pour les jeunes en réponse à ça qui est après.